Voyons, t'as dormi dehors, toi? Je pense que oui. C'est ta doudou, ça? C'est le film d'hier qui t'a rendu nostalgique? Bon matin, les enfants! Pas trop occupés? Venez donc m'aider à ranger l'épicerie. Ça va-tu? T'as l'air d'avoir dormi la tête dans le cul. Ouais, genre. Qu'est-ce qu'il y a le matin? Ah, un film avec Fassbender. Ah! Hey, as-tu reçu le plan de cours de cinéma fantastique? Ça a l'air malade. Il y a Fritz Lang, Kubrick, Hitchcock. Ouais, mais en même temps, Chris Nolan, Shyamalan. Ben. Inception, Memento, Unbreakable. Un matin, je me suis réveillée dans mon cabanon. Hein? Ouais, j'étais sûrement somnambule. Cool. Tu regardes? Un film de Hitchcock pour mon cours de cinéma. Tu dors pas? Non, ta mère est pas encore revenue. Puis toi? Non, je suis pas sûr que ça me tente. Ta grand-mère était somnambule, tu savais? Elle était insomniaque aussi. Elle prenait toujours sa radio pour s'endormir. Tu rêvais-tu de sortir dehors des fois? Dans sa jeunesse, là. Il n'est jamais arrivé rien de grave. Ouais. On l'a retrouvé une fois à matin. On pense qu'il avait pris l'autobus à 5h15. Elle s'est réveillée dans l'église. Puis c'est le prêtre qui a donné un livre pour venir. Ma tante t'a prêté un trousseau? Non, non, c'est les clés d'urgence. Je pense que tu vas pouvoir passer cet après-midi les porter derrière le comptoir. Ouais, certain, mais... Qu'est-ce que tu fais en pantalon de pyjama? Ouais, ça c'est une longue histoire. Mais là, faut que j'y aille, je vais me changer. Ok. Non, attends. Va t'accompagner, faut que tu me racontes ça. Mais attends, t'as-tu pété une fenêtre? Comment t'as fait pour rentrer? Peut-être que dans ton sommeil, tu deviens une cambrioleuse professionnelle. T'as-tu un kit de crochetage sur toi? J'ai même pas de poche, mon pyjama. Cool. Puis, les sorties de secours, là? Possible. Par les escaliers extérieurs, sûrement. Mais les flingues sont supposées être barrées, non? J'ai sûrement oublié de les barrer. Ta mère était bien déçue que tu travailles pas le matin pour aller chez la coiffeuse avec elle. Dis pas, elle va capoter. Hey Sylvie, hier ta fille elle a dormi au cinéma Princesse. Elle est partie avec sa petite doudou, elle a marché jusque là. Regarde, demain là, on va aller au cinéma, on va regarder par où tu peux rentrer. Puis moi pendant ce temps-là, m'allais appeler mes parents, leur dire que je dors ici t'asseoir.
toi. Ben, disparu. Ça a bien l'air que j'ai gagné, hein? Moi, je vais aller me coucher. Tu connais les airs? Ouais.